Bienvenue sur cette troisième et... sur cette quatrième étape, pardon, le contre-la-montre par équipe de Nice. Donc, je suis directeur sportif d'Europe Car. Donc, mon objectif sera de ne pas perdre moins d'une minute hein, sur les grosses équipes, sur les leaders tels le Contador, Froome, Frank Schleck, Andy Schleck. Voilà, c'est ça qu'il faudra. On va essayer de tout donner, même si notre équipe n'a pas de grands rouleurs. Mais on va essayer de limiter les écarts. Donc, on se retrouve à la fin de l'étape pour le débriefing. Son retour sur le continent, le Tour de France retrouvera l'une des plus belles villes de la Côte d'Azur. Nice et la promenade des Anglais ne seront pas le théâtre d'un sprint comme ceux auxquels nous assistons régulièrement ces dernières années sur le printanier Paris-Nice. Cette fois, il s'agira d'un contre-la-montre par équipe. L'exercice est toujours redouté des favoris, mais sur une distance de seulement 25 km, les écarts ne devraient pas être trop importants entre les meilleures formations. On se souvient que lors du précédent, en 2011 aux Essarts, sur une distance à peine plus courte, les 5 meilleures équipes se tenaient en 5 secondes. Voilà, donc comme prévu, ben, on perd du temps, on a perdu plus d'une minute
sur les équipes de leaders. On a perdu plus d'une minute. Sur, par exemple, on a perdu 1 minute 30 sur Cadel Evans. Et on a vu que Pierre Roland ne s'est toujours pas remis de sa chute qu'il a eue dans la deuxième étape. Hein, Pierre Roland qui souffre. Pierre Roland qui est en difficulté pour l'instant. Donc là, il va pouvoir récupérer dans les étapes dites de transition. Il va y avoir 3 étapes de transition. On va arriver à Marseille demain. Donc on va pouvoir se reposer au chaud dans le peloton. Voilà, à demain pour la 5e étape du Tour de France.